Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos compliments, ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour rester très informé. Asdiqa, tmenna tkounou bikhir wa ala khir, aynama kuntum, ahlan wa sahlan bikum wa marhaban bikum fi qanatikum. Cette séquence vidéo vous propose cette chronique qui revient sur un certain rapport vraiment explosif dont un député français recommande de favoriser une certaine diplomatie non gouvernementale avec ce régime algérien. En effet, il est question de blocage politique, d'un certain échec de la diplomatie, des chancelleries, une rente mémorielle, une hostilité à la France, tout simplement, pour tourner très court. Et dans un rapport explosif, vraiment explosif, de quelques 70 pages, le député français, un certain député français, dresse un constat sans appel d'une relation franco-algérienne gangrenée par les manœuvres du pouvoir algérien. Ce député analyse les différents moyens dont dispose la France pour renforcer sa présence dans un pays où le pouvoir en place repose sur un certain narratif anti-français. Le 18 octobre dernier, le député Frédéric Petit, c'est de lui qu'il s'agit. Il est de ce parti qu'on appelle le MoDem, un parti placé au centre de l'échiquier politique français. Et en sa qualité de rapporteur, ce député a présenté devant la Commission des Affaires étrangères un rapport pour avis relatif à l'action extérieure de l'État, et plus précisément à la diplomatie culturelle et d'influence de la France. Dans ce rapport de 70 pages, qui n'a pas encore été rendu public, mais le député a choisi de consacrer sa seconde partie à l'action culturelle et à la coopération en Algérie, où il s'est rendu en mission lors d'un déplacement à Alger et Oran, en septembre dernier. Après y avoir rencontré de nombreux diplomates, membres de la société civile et entrepreneurs, Frédéric Petit fait état sans aucune concession des rapports désastreux, et c'est le moins que l'on puisse dire, entre la France et le régime algérien. Ces relations qui incitent l'auteur de ce rapport à prôner les bienfaits d'une diplomatie non gouvernementale pour surmonter les blocages politiques. En d'autres termes, il recommande d'enjamber le pouvoir en place pour maintenir des liens avec la société algérienne cette fois-ci, en plaçant une certaine diplomatie des chancelleries à confronter cette diplomatie des sociétés civiles. Rien que ça. Déclarant, il est peu de pays hors de l'Union européenne avec lesquels la France entretient des liens aussi denses que l'Algérie. Et tout est dit en une relation qui paraît tout aussi foisonnante au plan humain que dysfonctionnelle au plan politique, annonce Frédéric Petit en un préambule qui résume bien les relations franco-algériennes. Ces liens butent
contre les blocages systématiques du système en place, en dépit des initiatives pro-algériennes menées par la présidence de la République française. Car malgré les ambitions affichées de relance, de coopération, de cette coopération franco-algérienne, portée en moins de 20 ans par trois présidents français, de Jacques Chirac à François Hollande et Emmanuel Macron, force est de constater qu'aucune des annonces d'écrire une nouvelle page n'aboutit en raison des blocages structurels du régime d'Alger. À cette réalité, la position de la France en tant que deuxième fournisseur, deuxième client et l'un des principaux investisseurs en Algérie ne change rien et n'a pas jusqu'à présent constitué un vecteur d'amélioration d'ensemble de la relation franco-algérienne. Dès lors, le but de ce rapport est d'examiner de près les différents leviers de coopération à même d'être activés par les postes diplomatiques et consulaires français, car, estime-t-on, la diplomatie des chancelleries est sujette à caution et, à contrario, la diplomatie non gouvernementale, celle portée par les sociétés civiles, s'impose quant à elle par sa consistance et ses potentialités, notamment en matière de culture, de francophonie, de mobilité étudiante et d'échanges économiques, etc., etc. Face aux faux-semblants politiques et à l'instrumentalisation du passé par ce qu'on appelle le système avec un grand S, S majuscule, algérien, s'impose ainsi les nombreuses attentes de la jeunesse algérienne auxquelles la France entend répondre coûte que coûte pour mieux préserver ses propres intérêts en Algérie, alors que l'on constate que la feuille de route d'un certain Emmanuel Macron est vouée totalement à l'échec. Établissement d'un Haut Conseil de coopération franco-algérien au niveau des chefs d'État tout de même, dialogue mémoriel par l'établissement d'une commission conjointe d'historiens français et algériens, renforcement de la coopération culturelle, scientifique et économique, et encore, et la liste est longue. Autant de belles ambitions qui ont fait l'objet d'une feuille de route concoctée après la visite d'Emmanuel Macron à Alger en 2022, mais qui risque fort de ne jamais aboutir. Et ça va de soi. Loin. Le bout du tunnel est loin et on n'en voit pas la lumière. En effet, on te voit d'ores et déjà. Frédéric Petit, s'il est fort possible que certains des chantiers annoncés trouvent quelques traductions concrètes dans les prochaines années, il fait peu de doute que cette nouvelle relance de la coopération va buter sur les mêmes obstacles que les précédentes tentatives, à l'exemple de la déclaration d'Alger du 2 mars 2003, censée préparer un traité d'amitié entre les deux pays qui n'a jamais été élaboré. Et là aussi, tout est dit. Preuve en est la dernière séquence franco-algérienne, rapidement suivie par un épisode de tension bilatérale entre février et mars 2023, lorsque l'Algérie a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur en France, après la décision de la France d'exercer la protection consulaire au profit de la militante franco-algérienne, une certaine Amira Bouraoui, alors qu'elle se trouvait en Tunisie. Les appels échangés entre chefs d'État pour lever les incompréhensions n'y auront rien changé, car de l'avis du rapporteur Frédéric Petit, les aléas de la coopération franco-algérienne ne sauraient se résumer à une chronique diplomatique. En effet, de nombreux intervenants rencontrés par le rapporteur en Algérie et cités par celui-ci considèrent de façon structurelle que les accords signés
n'engage pas le partenaire algérien. Ainsi, toute approche strictement institutionnelle semble en effet buter irrémédiablement en Algérie sur des obstacles sans cesse renouvelés qui trouvent leur origine dans l'organisation même de l'État algérien. C'est ce que résume cet auteur du rapport, Frédéric Petit. Cela rappelle d'ailleurs ce qu'ont constaté durant leur mission gouvernementale, qui a duré 5 ans en Algérie, les deux experts français, Jean-Louis Levé et Paul Tolila. Eh bien, Jean-Louis Levé et Paul Tolila ont rapporté dans un livre intitulé, écoutez bien, Le mal algérien, entre guillemets, comment le correspondant algérien de la partie étrangère peut disparaître du jour au lendemain, sans explication et sans laisser de traces. Cette perte de l'interlocuteur algérien est une sorte classique pour dire non, tout simplement, et se débarrasser de projets dont on ne veut plus, sans se donner la peine d'expliquer le pourquoi et le comment. C'est ce que commentent les deux auteurs, Jean-Louis Levé et Paul Tolila. Couverture du livre, ça dit tout. Entre guillemets, le mal algérien. Édition, bouquin. Tout est dit là-dessus. Et Jean-Louis Levé et Paul Tolila expliquent, nous expliquent qu'avec des interlocuteurs algériens qui utilisent des adresses e-mail privées, personnelles, il devient très difficile d'avoir accès aux institutions. D'où ce commentaire sans appel non plus. Cette attitude est certainement une des plus néfastes, des plus redoutables pour le développement et la réputation de l'Algérie dans les opérations de partenariat économique. Elle témoigne d'une extrême désinvolture à l'égard des contrats signés et augmente les craintes des entreprises étrangères envers un pays où règne une grande insécurité juridique. Et là aussi, tout est dit. En résumé, le système algérien est à l'origine du mal. Pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles les ambitions présidentielles françaises en Algérie ne peuvent pas aboutir, Frédéric Petit cite d'ailleurs l'ouvrage de Jean-Louis Levé et Paul Tolila. Dans ce livre, paru en 2023, ces fins connaisseurs de l'Algérie décrivent les rouages d'un système prétorien contrôlant tous les leviers du pouvoir et pour lequel toute forme de coopération avec la France susceptible de présenter un intérêt pour la société algérienne est une considération de second ordre par rapport aux préoccupations de maintien de sa propre sécurité, de surveillance de la population et d'administration de la rente énergétique surtout. C'est ce que résume le député Frédéric Petit. Le rapporteur et les deux auteurs, Frédéric Petit et les auteurs du livre Le mal algérien, partagent les mêmes constats, opposant d'un côté l'intérêt envers la France de la part de pans entiers de la société algérienne et des opportunités considérables qui peuvent en résulter. Et d'autre part, d'un État constituant le principal goulot d'étranglement de la société algérienne tout entière et a fortiori d'une coopération viable avec la France. Ainsi, à titre d'exemple seulement, malgré son ancienneté, ce qu'on appelle la CCIAF, la Chambre de commerce d'industrie algéro-française, n'est pas autorisée à entrer directement en contact avec les administrations algériennes et doit systématiquement solliciter le truchement du service économique régional de l'ambassade de France qui adresse des notes verbales à la partie algérienne. C'est ce que souligne toujours Frédéric Petit. Et ce député souligne aussi ce constat sans appel en Algérie. L'instabilité, l'illisibilité et la précarité de l'administration, y compris au plus haut niveau hiérarchique,
rend très difficile l'identification d'interlocuteurs pérennes avec qui mener des projets sur la durée. Et tout changement est ainsi susceptible de bousculer des réseaux et des intérêts puissants en place. Et dès lors, les ministres, comme leurs administrations, hésitent à prendre des initiatives sur fond de crainte, de règlement, de compte, instrumentalisant des procédures judiciaires. Ainsi, dans ce pays où l'immobilisme et le silence sont de mise, les projets sont fréquemment remis en cause en raison d'un fort turnover des ministres, des hauts fonctionnaires, des walis, etc., etc. Ce qui explique que tout simplement une hostilité à la France, qui le fonds de commerce, qui est le fonds de commerce du régime algérien. Au-delà du fonctionnement d'un système politique corrompu qui entretient sciemment son opacité et que la France peine toujours à déchiffrer, Frédéric Petit s'intéresse dans ce rapport aux solides points d'ancrage d'une hostilité à la France nourrie au sein de la société et qui hypothèque de fait toute perspective de coopération interétatique. L'Algérie n'a en effet aucun intérêt à promouvoir une relation franco-algérienne pacifiée et apaisée, comprend-on dans l'analyse du député français. Et pour cause, l'hostilité à la France est un fonds de commerce en Algérie, tout simplement pour ainsi dire. Cette rente mémorielle rapporte gros à au moins 12 millions d'Algériens qui peuvent se rattacher à la famille révolutionnaire, c'est-à-dire aux descendants des combattants réels ou supposés de la guerre d'indépendance, énumère toujours Frédéric Petit. Tous bénéficient à ce titre d'avantages importants accordés par le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Et de fait, leur position privilégiée dans la société est donc tributaire de la perpétuation d'un discours anti-français. Et pourvu que cela dure, si le rapporteur Frédéric Petit, pour avis, se félicite de l'attention sincère portée par le chef de l'État aux enjeux de l'histoire franco-algérienne par une série de gestes mesurés ayant eu un large retentissement en France et éloignés de toute instrumentalisation politique du passé. Il y oppose une toute autre position côté algérien, bien sûr, sur un sujet aussi central à la légitimation du pouvoir algérien que la colonisation et la guerre d'indépendance. Une coopération bilatérale très institutionnelle paraît condamnée à une impasse, plus immanquablement encore que des autres formes de relations bilatérales très institutionnelles. C'est ce que juge Frédéric Petit. En effet, en Algérie, la référence à la guerre n'a pas seulement une dimension rhétorique, elle est le fondement politico-religieux du régime. Il n'est dès lors pas surprenant, selon Frédéric Petit, qu'au sein de la commission conjointe d'historiens mise en place par les deux pays, l'Algérie est désignée exclusivement des universitaires tenant de l'approche la plus dure. Le plus jeune d'entre eux, qui a pourtant effectué sa thèse à l'université d'Aix-Marseille, tiendrait même désormais les propos les plus caricaturaux. C'est pourquoi il en ressort clairement un renforcement du sentiment anti-français lié à une politique publique. En effet, pour Frédéric Petit, ce discours constant d'hostilité à la France trouve aussi ses racines dans les progrès constants de l'islamisme au sein de la société, notamment tant au niveau de la victoire sociale, des normes religieuses et conservatrices, qu'au niveau du renforcement de la présence des religieux dans la sphère publique
mais également dans l'enseignement et l'université. Dès lors, tout rapprochement entre dirigeants politiques franco-algériens est rendu quasi impossible, juge l'auteur Frédéric Petit. Mais de la même manière que l'islamisme et le discours anti-français qu'il véhicule bénéficient de l'appui tacite des autorités, force est de constater que des politiques publiques conduites avec plus ou moins de détermination depuis désormais deux générations visent à faire reculer l'usage de la langue française, avec pour conséquence directe la fragilisation des élites francophones et le renforcement des sentiments anti-français. Tout simplement là aussi. Comme illustration, Frédéric Petit oppose ce qu'on appelle le seul LIAD, c'est ce lycée français que compte l'Algérie, un seul, aux 17 établissements établis au Maroc à titre de comparaison. Et cet unique établissement, aujourd'hui totalement saturé, croule, mais croule littéralement sous les demandes d'inscription, mais sans pouvoir les accepter. Et pour cause, explique l'auteur, ces niveaux excessifs de sollicitation du LIAD sont la conséquence des obstacles mis par l'administration algérienne, non seulement à l'ouverture d'un nouveau lycée français, mais surtout aux initiatives des établissements privés algériens pour dispenser en tout ou partie un enseignement français ou en français. Le député Frédéric Petit a ainsi pu constater le déchirement des familles qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants dans un environnement bilingue francophone et qui ont témoigné des moyens déplorables de pression sur les établissements, comme des contrôles de police pour s'assurer que les cartables des enfants ne contiennent pas de manuels scolaires français. On contrôle tout, ce qui a pour conséquence le remplacement ou ce remplacement de la langue française. Dans cette volonté des autorités algériennes d'effacer la langue française du quotidien des Algériens et des Algériennes, il y a certes un signe d'hostilité à la France, mais il y a aussi une volonté de remplacer une culture par une autre. Le refus de laisser se développer un enseignement scolaire français ou francophone résulte pour l'auteur d'une stratégie d'arabisation mise en œuvre par vagues successives, puis depuis près de 4 ans ou 40 ans, et qui se double désormais d'une volonté de remplacement complet de la langue française par l'anglais à l'université. Et pour amorcer ce grand virage, les autorités algériennes n'entendent pas s'encombrer par des échanges ou échéances à long terme. Le ministre algérien de l'enseignement supérieur n'a-t-il pas annoncé au début de cette année que dès la rentrée 2023, l'ensemble des enseignements non dispensés en arabe le seront désormais en anglais? Une décision consternante pour de nombreux interlocuteurs algériens. Rencontré par le député français Frédéric Petit, car cette volonté des autorités algériennes ne correspond en rien à la réalité académique d'un pays où, à titre d'exemple, tout le cursus des études algériennes en médecine s'effectue en français. Quel paradoxe, n'est-ce pas? D'autant aussi que les choix des étudiants algériens qui souhaitent entreprendre des études à l'étranger offrent un contraste saisissant avec le refus ouvert ou tacite du gouvernement d'engager des coopérations universitaires avec la France. La France reçoit en effet quelque 79% de la mobilité étudiante algérienne, loin devant le Canada et la Turquie. Ainsi, les 32 147 étudiants algériens exactement en France à la rentrée universitaire 2022-2023
représentait le deuxième contingent des étudiants étrangers derrière le Maroc et devant la Chine. Mais qu'à cela ne tienne, à ce calendrier illusoire qui débute à la rentrée scolaire 2023, les décisionnaires opposent leur volonté d'accueillir des étudiants étrangers et une université américaine illico, presto, mais sans pour autant qu'une date ait été annoncée à ce jour. Et afin de parachever leur œuvre de sape, annonce la fin de l'organisation de l'enseignement supérieur selon le système LMD, licence, master, doctorat, utilisé dans l'Union européenne afin de se rapprocher d'un système anglo-américain. Mais faute d'être en mesure d'accueillir en cette rentrée ces étudiants étrangers et cette université américaine, l'interdiction faite aux enseignants universitaires et aux étudiants algériens de participer à des manifestations scientifiques internationales sans obtenir au préalable l'accord du ministère algérien de l'enseignement supérieur est quant à elle opérationnelle depuis août 2023. Ce grand remplacement, entre guillemets, ne se cantonne pas à la sphère de l'éducation seulement, mais touche également à la coopération technique entre les deux pays, Algérie, France. En effet, le rapporteur pour avis souligne le fait que le format européen est une condition importante pour que la France avance en Algérie et recommande que la feuille de route de l'ambassadeur lui donne expressément pour mission de mobiliser prioritairement les processus de coopération européenne et d'utiliser le canal européen pour déployer les outils de coopération français. Et pour cause là aussi, explique Frédéric Petit. L'Algérie accepte des partenariats de ce type lorsqu'ils sont formellement initiés par l'Union européenne, mais pas en règle générale avec la France. En effet, en Algérie, l'AFD, AFD, Agence française de développement, est limitée aux dons depuis 2005 et par conséquent, le seul avenir de la France en Algérie se dessine loin des institutions officielles. En effet, si la diplomatie des chancelleries bute et bute toujours en Algérie sur un désintérêt du partenaire institutionnel, voire sur certaines de ses orientations stratégiques qui sont directement hostiles, Frédéric Petit a pu mesurer lors de son déplacement à Alger et à Oran que les réseaux de coopération culturelle français peuvent encore agir et contribuer à des mises en relation constructives des sociétés françaises et algériennes. Dès lors, la stratégie française pour renforcer sa présence en Algérie et de nouer des liens avec la société civile. Pour ce faire, Frédéric Petit énumère les quelques avantages dont dispose encore la France en Algérie, notamment via le SCAC, le SCAC, Service de coopération et d'action culturelle, ou encore le réseau des instituts français qui dispose de 5 antennes et 16 implantations au total. C'est précisément sur les instituts français que mise le rapporteur pour aller à la rencontre de la jeunesse algérienne et des artistes qui fréquentent assidûment ces endroits en l'absence de deux lieux destinés à la culture dans le pays. Ainsi, là où la diplomatie des ambassades échoue, on applaudit ce canal culturel qui permet de maintenir une communication de bonne politique, entre guillemets, avec la société civile. Au-delà de ces canaux culturels, l'action du SCAC se trouve être très limitée dans un pays où le contrôle administratif pèse lourdement sur les associations et où certaines, comme Caritas ou Médecins du Monde, ont dû cesser leurs activités, faute d'avoir reçu un agrément. Le but du SCAC est donc de parvenir à promouvoir des liens
entre les sociétés civiles algériennes et françaises, même autour de questions politiques, culturelles ou sociales, dont l'expression est difficile en Algérie, en s'appuyant sur des initiatives locales courageuses, notamment le soutien des associations féministes qui luttent contre les violences à l'égard des femmes et des filles, ou d'aide aux femmes migrantes. Enfin, l'enjeu est aussi pour la diplomatie française d'identifier les potentialités ou les personnalités d'avenir en Algérie susceptibles de contribuer à une refonte de nos relations à long terme. Autant dire qu'il faut laisser le temps œuvrer pour espérer tourner la page de ces gérantes au pouvoir et qui veillent sur le système avec un grand S en cette Algérie pourtant dite nouvelle. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات الأخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.